These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Legendary, even in hell. Even in hell. On ne le répétera jamais assez. Oh, quelle journée. Hein, quelle journée. Tati Daniel, je me suis beaucoup plaint auprès d'elle aujourd'hui.
Et Tati Daniel m'a offert la version de Silent Hill sur PlayStation 2. Vous le saviez. Mais elle m'a offert une nouvelle version, c'est-à-dire en français, cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'il a fait Romain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait Romain? Aujourd'hui Romain, il s'est fait chier. Il s'est fait chier à speedrunner et à revenir où nous en étions hier. Mais cette fois, avec le jeu, comme vous pouvez le voir sur le panneau, en français. En français. En anglais. En anglais. Alors, il n'y a pas que cette bonne nouvelle, évidemment. Et une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai regardé quand même ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que là, on descendait à chaque fois, on se faisait tuer. À chaque fois qu'on descendait là, on allait à la porte était fermée. Et malheureusement, nous nous faisions avoir. Je sais ce qu'il faut faire. Alors à l'époque, j'avais dû le faire bien, mais bon, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Alors voyez-vous, il faut descendre. Il faut vite checker ça. Et là, comme un con, faut remonter. Il va pas vouloir le faire. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, quand on le sait, ça paraît d'une évidence. Mais moi, hier soir, après 2 heures de stream, je cache pas que ça m'est passé par-dessus la tête. Donc voilà, je suis content de moi, je suis revenu. Donc là, on a le jeu en français, évidemment, regardez ça. On a la map Hazel Street. On découvre qu'on est dans le métro qui donne sur Station Yard Map, Hazel Street. Voilà, tout est en anglais, en joli anglais qu'on comprend bien. Et pas en slave. Alors, j'embrasse quand même les slaves qui nous regardent. Mais bon, ça devenait compliqué hein, pour la carte. Donc là, du coup, on se retrouve avec une version même plus jolie. Parce que j'ai regardé dans les paramètres. Et regardez-moi ça, comment elle est plus jolie. Elle est encore plus nette. Elle est encore plus HD de New HD. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc là, vraisemblablement, nous allons monter dans la rame. Déjà, j'entends que ma petite radio grignote. Grisille. Ce qui voudrait dire qu'il y a du molos. Bon, mais de toute façon, on a le shotgun maintenant. Hein. Donc, on n'a plus peur de rien. Alors, il faut qu'on repasse par là. C'est déverrouillé. Ouais, donc ça commence bien. Moi, je propose... On trace un peu, la porte, elle doit être pas loin, elle doit être en bout de rame, j'imagine. Mais merde. On peut pas rentrer. Attendez, je regarde ma petite carte. Si le son du jeu est trop fort, dites-le moi, n'hésitez pas. Il faudrait qu'on fasse le tour. Bien l'impression. Hein. Si le son du jeu est trop fort, dites-le moi sur le chat. Hein. On perd pas de temps. Oui, l'entrée doit être ici. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Non, elle est là. Elle est là, bien sûr. Évidemment. Cinématique. Salut Vénus, que j'embrasse. Oh bah putain, on est parti en métro là. Et ouais. C'est ce qu'on voulait à la base. Vous voyez là comment le jeu est joli. Ah là le jeu est joli, on peut pas l'avoir plus joli hein. Je me suis fait chier à trouver une version, à tout mettre, à tout upgrader. Le symbole, j'ai mis 2 jours. Hein. Le symbole dessiné par terre. J'espère que le fait de marcher dessus ne va pas me maudire. J'ai envie de le savoir. Allez, on fait une save sur la save. En plus, j'ai eu des problèmes de mappage de boutons. Oh, bon, je vous épargne tout ça, j'ai passé du temps. J'ai passé du temps pour vous, pour que ça soit la plus jolie version. Bien sûr, tout le monde est en retard. Qu'est-ce qu'on fait là?
Non, 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 on va pas utiliser nos cartouches pour ces petites âmes. Pour ces petites âmes. Pour ces petits monstres. On va prendre la baramine. On va faire ça proprement, mais à la baramine. Allez, viens là. Voilà. Et toi, t'attends ton tour derrière. S'il te plaît. Voilà, c'est bien, t'es gentil. Il va arriver l'autre. J'ai pas le temps de le finir, le sol. Voilà, c'est bon, là on a le temps de tout faire là. Bon, ça va, le jeu est pas trop fort. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Oui, donc aujourd'hui, passez une ou deux heures à trouver le bon jeu, à mettre ça en HD, en vous regardant bien les tout ce qu'on pouvait réinjecter au niveau des sons. Alors je crois que je peux encore faire mieux. Je peux changer le fauve. Le fauve, c'est le... Je t'embrasse, merci, moi aussi je t'embrasse Vénus. Le fauve, c'est l'angle de vue. Et puis j'ai vu qu'on pouvait mettre encore plus net, j'ai vu qu'on pouvait encore mettre la résolution encore mieux, enfin bref. Je voulais pour vous l'ultime expérience, comme pour moi d'ailleurs. Mais du coup il m'a fallu speedrunner pour revenir à là où nous en étions sur la version russe. Donc j'ai speedrunné, sans le son d'ailleurs. Ça s'est bien passé. Bon, du coup, là, je suis... Bon, est-ce qu'on va faire, là? Excusez-moi. On va se prendre le shotgun. Ça... Parce que là, je sens que ça va être compliqué. Puis, entre nous, j'ai envie de l'utiliser. Et oh, toi, t'es un coquin, toi. Il nous embête. C'est le petit qui nous aura plus fait chier, comme toujours dans la vie. C'est toujours les plus petits, les plus hargneux. Vous savez, c'est comme les chiens. Ils grognent parce qu'ils ont peur. Alors que les gros chiens... Ils ont pas peur, ils s'en foutent. Donc j'ai remappé les boutons. Là, je peux allumer et éteindre la lampe. Normalement, la caméra, là, je peux la retourner comme ça. Ah, voilà, bravo. Ça a été un enfer, hein. Je sais pas pourquoi. Autant sur la version russe, le mappage avait été assez simple, au final. Une fois qu'on a compris. Mais alors sur cette version là, j'ai passé du temps. J'ai passé du temps à remapper, je sais pas pourquoi. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Trousse de soins et des cartouches. Très bien. Il n'y a pas de bouton rechargé hein, sur cette version. Bon là on est dans le métro mais on est censé rentrer à la maison. C'est pas où ça va nous mener hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est une espèce de sangle pour s'accrocher. Il y en a là ici. Sauf que celle-ci est tombée. Bon lui le gros. Hein? Je crois bien que ça va être le shotgun hein. Le shotgun. Évidemment. Alors la caméra a voulu me faire un... Toi mon gros, tu vas nous laisser passer. Oh bah voilà, il est même pas... Il... C'est tout. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Oh là. Ça l'a énervé ce que j'ai dit. Allez, remets-toi debout là. Remets-toi debout coquin. N'hésite pas à te remettre debout. Allez, t'es pas si gros. Je suis en train de te remettre les bourses en place. Allez. T'es pas si gros. Allez. Oui, j'ai changé une petite option. Si on aura plein de sang. J'ai mis qu'on ait plus de sang. Vous êtes gâtés. Vous êtes trop gâtés. Vous êtes des vénards. Vous m'auriez vu là, speedrunner là. J'ai mis 40 minutes. J'ai mis 40 minutes à revenir là où nous en étions sur la version russe. Juste pour pouvoir streamer avec vous là où nous en étions avec la version anglaise. Vous vous rendez compte? Je fais ça pour vous. Ah là, maintenant on peut lire ce qu'il y a sur les panneaux. Local, hein. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Bon, les portes se sont ouvertes là, hein. Je suis pas fou. Enfin si, mais pas pour ça. Allez, une petite sève qui va me faire disparaître mon fond vert, ça m'agace à chaque fois.
Voilà, mais pourquoi j'ai les gens qui me parlent et que je le vois pas sur mon téléphone? Comment va la famille, Nictara? Salut Nictara. Tu tapes le gros au sol comme un prof de PS de collège. Ah oh, bah voilà, tout de suite les insultes. Ok, pourquoi ma tête me fait mal? J'ai pas le temps de lire. Ah, j'aime pas quand je save, parce que vous le voyez, ça fait disparaître à chaque fois mon fond vert et toute la magie s'échappe. Regardez. Et voilà, je suis comme un con. En fait, je suis dans mon salon. Il n'y a pas du tout un pentacle derrière moi. Y a pas du tout le truc de sigil. Bon, je me reconnecte au chat. Je pense que je me suis connecté trop tôt à mon chat, si bien qu'il n'a pas voulu prendre en compte. Là, normalement, ça va être bon. Je vais pouvoir lire vos messages. N'inquiétez pas. Ok, je vois qu'il y en a qui s'énerve là sur le chat, mais c'est pas ça se reconnecte là, je vois. Pire, je peux toujours lire là, un retour. Donc t'as vu Nictaras, ce qui s'est passé? On a la version française sur un support anglais. J'ai expliqué, peut-être que t'étais déjà là, mais j'ai speedrunné, il n'y a pas d'autre mot, j'ai speedrunné 40 minutes, 39 minutes 50 exactement, pour revenir où nous en étions dans le métro. Ah! Le verrou est cassé. Il y a des petites choses qui nous intéressent là-bas. Petites choses qui nous intéressent. Il veut pas se connecter au chat, hein. Je sais pas ce qu'il a ce soir. Je vois qu'il y a énormément de spectateurs, ce qui me surprend parce que en face de nous, on a quand même speed dedans. Alors je sais que je vais leur piquer beaucoup de viewers. Ça, j'en ai conscience. Ah mais il fallait qu'il fasse sur 2 jours. Moi je l'avais dit à Mister MV, je lui avais dit fais sur 2 jours parce que moi je stream. Hein. Vous allez. Votre cagnotte elle va en prendre un coup. Hein. Oula. Non, n'hésitez pas à faire des dons d'ailleurs. Hein. C'est pour Médecins du Monde. Quand même drôlement bien. Non, la version est superbe. Bonsoir Léa, belle version, félicitations, j'ai pas vu la fin de la seconde partie. Ah oh bah bravo. Je me suis fait chier à speedrunner. Mais attendez, j'ai pas le chat. On va aller se mettre dans une petite pièce un petit peu safe. Voilà. Reconnexion de chat. Vous savez ce que je fais? Je vais pas vous mentir, je vais le faire en direct avec vous. Je vais sur mon portable. J'efface tout. Je me reconnecte à Twitch. Je retourne là. Je vais dans gestion du stream. Et voilà, je suis sur mon chat. Maintenant, quand vous me parlez, je peux voir exactement ce que vous me dites. C'est-à-dire que je lis. Peut faire un essai, hein. N'hésitez pas à écrire quelque chose. Ah, une masse d'armes. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le chat est-il actif sur ton téléphone? Oui. Merci. Et on va tout de suite prendre la masse d'armes. Alors, j'ai tout remappé les boutons, j'ai eu des gros soucis. De remappage, c'est ce que j'expliquais au tout début. Alors là, normalement, avec ça, bon bah avec ça, là, on va faire du bon boulot, normalement. Il y a une boîte à outils ici, mais elle ne contient rien d'utile. Parfait, tu seras gentil de repasser en plein écran de suite, car tu es resté en facecam. Oh putain. Merde, toutes mes confuses. Et la carte. Pardon. Ah, ça arrive même au meilleur. Fallait bien que ça arrive un jour. Ça m'était encore jamais arrivé. J'ai une carte du souterrain. Oui, donc on a ramassé une. Hors cam, on a ramassé une masse d'armes. Que voici. Alors, du coup, oui, je suis allé dans les options et regardez-moi comment le jeu est plus joli encore. Je l'ai mis encore plus net. Alors, du coup, on a la carte. J'ai affrété un bouton. On dit idoine, ad hoc. Ok. Donc là, on est dans le sous-sol, quoi. Bon, moi, je propose qu'on aille par. On va faire devant, puis sur la gauche. Ouais, on va continuer à être méthodique. Je suis désolé pour hier. Hein. Ça m'est sorti de la tête qu'on pouvait. Quoi, ça lui fait rien? C'est de la merde cette masse d'armes. C'est quoi cette masse d'armes? Ah voilà, ça s'utilise comme ça. Il faut appuyer un peu plus longtemps.
pour donner un coup latéral. En fait, c'est comme dans Dark Souls, ça prend en compte les murs. Donc on a dit sur la droite. Puis j'ai rajouté de la luminosité. Puis j'ai fait au mieux pour le son, là, normalement ça doit être parfait. Alors normalement, on arme comme ça. Et ben voilà, c'est bon, on a compris le type. Ah, s'il me laisse pas jouer, on va pas de copains. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup plus de sang maintenant, hein. J'ai mis l'option. Hein. J'ai mis l'option Blood. Je me suis dit que vous étiez majeur. Vous savez a priori où vous avez mis les pieds. Putain. Bon, et cette masse d'armes, c'est de la merde. Hein. Désolé. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais... Oui, à peine de commencer qu'on est déjà dans le rouge. Voilà. C'est beaucoup plus simple quand on utilise ça. Voilà. Alors c'est sûr que ça fait moins moyenâgeux, mais c'est plus joli. Hein. Ouais, voilà. Bah t'avais raison. Hein. Ah oui, c'est de la merde. Enfin pardon, c'est pas terrible quoi. Oui, je disais que j'étais désolé pour hier, j'étais fatigué, et puis j'ai pas compris l'histoire de descendre de... C'était pas très clair. Fallait trigger la rame de métro, et après fallait remonter. C'est vrai qu'en revoyant la VOD, à aucun moment je suis remonté. Bon, c'est ma faute, hein, si vous voulez. J'étais fatigué. Donc là nous sommes déjà allés, donc on va passer par derrière. On va essayer de bien regarder là, on va essayer de pas être tête en l'air. Un garçon très tête en l'air. On fasse attention. Puis Dark Souls nous a appris des choses. Il nous a appris qu'on pouvait sneaker comme ça. Et après passer par derrière pour faire un backstab. Voilà. Faut qu'on se serve de ce qu'on a appris. C'est ce qu'on appelle communément l'expérience. Léa, hier, elle a dit que ça ressemble à des Pokémon, mais... Je suis assez d'accord avec elle. C'est vrai, on dirait une espèce de... Bon, il faut un peu fœtus aussi en même temps. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Le jeu est beau, là je vois sur le retour, là vous êtes gâtés là. Vraiment, il est encore plus beau que la version russe, vous vous rendez compte? La fatigue nous fait faire des choses parfois. Même moi j'ai loupé un de tes excellents épisodes live. Oui, t'étais même pas là hier. Il y a beaucoup de gens qui ont jasé là-dessus. Hein. Ça a jasé. Hein. Il y avait des absents, mais il y avait des nouveaux. On avait notre ami Sean du Colorado qui était là. On a eu notre ami William de Las Vegas. Donc, autant vous dire que vous nous avez pas manqué. On s'est marré. Ouais. C'était une soirée de rigolade. On n'avait jamais ri autant, d'ailleurs. C'était un de mes plus beaux streams. On s'est rendu compte que vous étiez pas là à la fin. Tama et toi, on s'est rendu compte que vous étiez pas là à la fin. Au moment où j'ai arrêté de streamer, on s'est dit bah tiens, Nictaras et Tama, ils étaient pas là d'ailleurs. Pas ce soir. Léa, elle était comme possédée, Léa, hier. On a ri sur le chat, on a ri. Bon, je suis en train de tourner en rond là. Ok, donc ici, non. Donc on repasse, on va tout droit, on va à gauche et on va à droite. Bah, ils se sont tués rapidement parce que déjà d'une, ils étaient un petit peu émerveillés par ce que je racontais. Et puis de deux, bon bah parce qu'ils parlent pas français. Voilà, faut dire les choses à un moment donné. Ils parlent pas français, on peut pas non plus... Moi j'ai un peu parlé anglais par contre. Hein? Moi j'ai un petit peu parlé anglais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va par là. Hein.
J'ai un anglais parfait, donc je l'ai utilisé. Hein, le verrou est cassé? J'aime pas cette musique. Ah bah oui. Oula, 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 oula. On va remettre la caméra bien déjà, voilà. Puis en fait, on n'a pas besoin de se parler avec mes potes US. Non, je suis en train de revenir là où j'étais. Avec mes potes des Amériques. J'ai pas besoin de pas. Non, allez hop, on revient. J'ai pas besoin. On n'a pas besoin de se parler, on se connaît tellement bien. C'est plus du feeling. On communique par onde. C'est un ressenti global qu'on partage. Non, c'est bon. Ah bah tout est cassé. Bon bah si tout est cassé, qu'est-ce qu'on fait là hein? On peut même pas aller là. Donc on descend. Ah bon, ok, on revient. Alors, j'ai vraiment pas le pot, hein. Encore une fois, hein. J'ai tout fait, c'est pas ça. Tiens, dis-moi, Nectaras, maintenant que tu es là ce soir et que j'ai remarqué ta présence, est-ce que tu peux me dire si le son est pas trop fort du jeu? Ou si ma voix est pas trop forte, s'il te plaît? Je t'en serais gré. J'ai du sang Cherokee, alors j'ai pas du tout du sang Cherokee. Je sais pas d'où tu tiens cette information, mais elle est complètement erronée. Elle est absolument fausse. Réponds-moi plutôt du sang coule du bas du casier. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? J'aimerais y jeter un coup d'œil, mais la porte est coincée. Voilà, ça va mieux. Il n'y a rien de valable à l'intérieur. Bon, ils s'en fait plaisir. Le son est très bon. Le jet peut être un peu fort, notamment lors des grosses sessions sonores et rouillées. Ok. Je change ça tout de suite. J'avais un doute. C'est vrai qu'il y a des différences de volume dans ce jeu qui sont assez dingues. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je descends tout d'une barre. Voilà. J'ai remarqué ça aussi sur la VOD. Ok. Allez. Bon, lui... Oh, il est très très gros, lui. Mais ça lui fait beaucoup mal quand je le tape. Allez, on va le finir avant que le petit arrive. Je vais passer par là. Bon, ça va être un cul-de-sac, évidemment. Avec la chance que j'ai. Non, ça n'en est pas un. J'ai l'impression que ça va être immense. Qu'est-ce qu'on fait? On termine déjà la portion là? On revient en arrière, on termine la portion, hein, c'est mieux. Pas mort alors? Voilà. Hey, j'ai tué ta mère. Allez, sans rancune. Il était plein de rancune, le petit. J'ai été obligé de le tuer après sa mère. Croyez-moi, ça m'amuse pas de faire ça. Hein. C'est pas dans mes habitudes. Bah merde, elle avait une portée de 2. Il faut faire disparaître toute la famille maintenant. Ça m'amuse pas de faire ça. Ça me fait plus mal qu'à toi. Allez, on termine la petite portion. Parce qu'après, je sais que je vais regretter. Il va y avoir un petit objet, quelque chose. Voilà, comme là, par exemple. Attendez, je check la map. Parce que moi, je suis très très bon pour me perdre. Allez, on regarde tout bien. Là, il y a une brouette. Voilà. Là, et voilà. On allait louper ça. Du vin dans un endroit pareil? Remarque, c'est sombre et sec. Une seule bouteille est vide. J'ai une bouteille de vin. Voilà, exact. Ah, et là j'ai du bif machin. J'ai lu sur internet que le bif... Ah, il y a quelque chose d'écrit là, regardez là-bas. C'est des runes comme ce qu'il y a derrière moi. Mélange de runes et de... dialecte. Obscurantiste. C'est un dialecte obscur. Quoi, il est déjà revenu? Bon, on... Non, on n'a pas fait derrière.
Bon, à mon avis, y a rien. Peut-être un peu de vie. Voilà, petite cartouche. Ok, donc on est bien là. Il veut... Parfois la caméra il veut pas. Bon, bon le petit. Ah non, en plus ils sont deux. Ils m'en veulent légitimement pour leur mère. J'aurais pas dû faire ça. Ils sont arrivés, ils ont vu ça, ils ont fait maman, c'est à quelle heure qu'on bouffe. Ils ont vu ça, ils ont fait bah. Ah bah d'accord. Il y a quelqu'un qui nous a. Qui a oxy maman. Maman a été oxy. J'ai envie d'être sûr de ce que je fais. Je vais aller au bout. Je sais qu'il n'y a rien. Mais j'aime bien savoir vraiment qu'il n'y a rien. Voilà. Et là maintenant on prend la porte. Les espèces de petites guêpes comme ça là font peur. Mais en général ça se passe bien. C'est quoi le gros tuyau là? On peut pas le prendre. Bon, je vais éteindre ma lumière. Ma petite Vénus qui discute avec Nyctaras. Je vous vois, hein. À l'œil. Et deux. Je sais pas si Léa, elle est là. Et 1, 2, 3. Je sais pas si Léa, elle est là. Tama, il est plus là. Il nous parle plus. Ça fait 2 jours qu'il a disparu. J'ai lancé un appel à témoins sur Twitter. Personne n'a répondu. Personne le connaît. Et ceux qui ont répondu m'ont bloqué. On est pas prêt de le revoir, pour vous dire. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte, ok. Et là, la petite trousse à outils, non? Il y a du bazar partout, mais rien qui vaille la peine d'être emporté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chaton très gros. Alors, je sais pas si mon problème vient du wifi ou autre, mais la vidéo n'arrête pas de saccader. J'arrête pas de rafraîchir la page, ça marche. 10 secondes et ça rerame pendant longtemps. Hashtag je suis colère. Essaie de rebooter, achète-toi un peu de qualité. J'ai déjà rebooté mon PC. Quant à Tama, il est probablement décédé. J'avais entendu dire qu'il était très très vieux. Ouais. C'est ce que j'ai pensé également. Il voulait pas trop nous en parler. En plus déjà, il nous avait dit qu'il était ingénieur. Il y a que des vieux qui sont ingénieurs. Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça. Il avait dit je suis vieux. Déjà, j'avais pas compris pourquoi il nous le disait. En fait, c'était une sorte d'appel à l'aide. On n'a pas su y répondre. On n'a pas su dégainer. On n'a pas dégainé assez vite. On n'a pas compris. Bon, en même temps, c'était pas une fine lame. On perd pas non plus un membre essentiel de notre équipe. On est d'accord. Oui, voilà, on était fatigué. Il était sur le projet d'une chaise, hein, je crois. Ça faisait 5 ans qu'il était en train de la dessiner, c'est ça. Hein. Il était ingénieur ou architecte, une saloperie comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Elle n'a plus l'air de fonctionner. Ok. Là, le jeu est magnifique, hein. Vous êtes gâtés. Alors ça, c'est une petite machine qui va me permettre de quoi? Ah, je peux descendre? Non, pas encore. Le trou est plein d'eau sale. Je ne veux pas descendre comme ça. D'accord. Si elle te fait un maillot de bain. Bon. On dirait l'interrupteur d'un treuil. Voulez-vous actionner l'interrupteur? Oui. Rien. C'est peut-être cassé. Et là, il va falloir mettre une pile. Ça doit être le réservoir, mais il est vide. Ok. Donc on a une bouteille. Il va falloir la remplir de gasoline. Hein? Normalement, sur la map, elle a fait un petit dessin. Voilà. Donc on va ressortir, on va aller à droite. C'est ça qui va se passer. Je crois que ta map est vraiment très faible ces derniers temps. On ne voulait pas se le dire, mais on le voyait traîner les pattes et s'essouffler dans les escaliers trop raides, oui. Non, non, mais il faut pas se voiler la face. Il y a eu oxydation. Il est peut-être...
D'ailleurs, son dernier message, c'était la lettre Z. Ça n'arrêtait pas d'écrire Z. Il est mort sur son clavier. Il est mort sur son clavier, voilà. On n'a pas su voir les signes. Pourquoi elle veut pas prendre les balles? Ah. Bon, les cartouches de fusil de chasse, disons. Vous êtes gâtés, mais moi, je suis gâté aussi. Tout le monde est gâté ce soir. Le casier est rempli de bazar. Non, on dirait plutôt les affaires de quelqu'un. Bon, ah, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il reste du kérosène dans le chauffage. Si j'avais un récipient quelconque, je l'emmènerais. Oui, qu'on a bien fait. Salut William, hi William. Hey Bosseron, finally, you found out English version. Obviously William. Yeah, I found it today. And after I played a lot to come back at the exact moment I was yesterday, just for my community. J'explique à William que j'ai fait tout ça pour vous, que je me suis embêté à trouver une version HD et que je l'ai speedrunné pour retourner exactement où nous en étions. La bouteille. Je vais me reprendre un petit coup de ça. La bouteille. How are you, William? Non, mais là, je suis pas dans les ombres. Voilà. Allez, on utilise la bouteille. J'ai mis du kérosène dans la bouteille de vin. J'ai une bouteille de vin d'huile. Bah, si. Mais non. Si tu mets du kérosène dans une bouteille de vin, ça fait pas d'huile. C'est quoi ce jeu? I'm good, William. Z, une jolie façon de finir la vie comme un alphabet. Oui, voilà. Tati Daniel, give us that gem. It's a private joke. Don't listen, Nick Taras. Allez, on se fait une petite save, là, on est bien. Non, on est très bien, là. Allez, c'est ce que je disais, là, juste avant de dire bonjour à William, c'est qu'on a bien fait de prendre la bouteille. On aurait été complètement coincé. Allez, on retourne vite fait. Là, on va essayer vraiment d'être fluide, hein. Les deux premières parties, j'en suis pas très content. Hein. On a perdu un temps fou. Hein. Espèce de malchance, et puis je sais pas. Tête en l'air, voilà. Tête en l'air. J'étais tête en l'air. Le coup des papillons, j'étais tête en l'air. Le coup de la rame de métro, j'étais tête en l'air. Alors là, le coup que ça fasse de l'huile, bouteille d'huile, ça sert à déplacer du kérosène d'un et vers un chauffage. Évidemment, ça ne se boit pas. Dis donc, Heather, ça réfléchit grave là-haut. Hein. J'ai mis du kérosène dans le réservoir. Bah voilà, c'est pas de l'huile. Allez, on allume tout ça. S'il vous plaît. Voilà. It's exactly what we have to do. Ah non, c'est Nick Taras qui parle anglais. Oh là là. J'ai pas le temps de fumer. Tu fais avoir. Bah non, parce que quand tu parles anglais, je me dis que c'est William. Et comme il a la même couleur que toi. Donc maintenant, on peut se servir de ça. Non, ça a vidé le truc. C'est bon, on peut passer, quoi. Voilà, grâce à ce truc. Alors, carrément. Grâce à ce truc, l'eau a finalement disparu du trou. Là, Sergio le stagiaire, il s'est même pas embêté à trouver... Un mot qui pourrait faire l'affaire. Truc. Je vais maintenant pouvoir y descendre si j'arrive à supporter l'odeur. Et ben allons-y. Elle a sauté droit comme un piqué. Elle est souple, hein. Elle est souple. Ça doit être par là que l'eau s'écoule. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a fait vite. Il y a un petit escalier, je regarde quand même s'il y a pas un petit peu de vie, un petit truc à grappiller là. Un petit truc à gratter. S'il est à peu près connecté, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Non, j'ai rien changé, les. Hein. C'est en plus en 720. Regardez, le jeu est magnifique là, je suis désolé. C'est de vénard, regardez ça, ça fera une superbe capture ça.
Excusez-moi. J'avais vraiment besoin de fumer là. Besoin de nicotine. Pas tant d'émotions. Ah, c'est super, Nictaras. Merci à toi. En plus, ça te va très très bien le magenta primaire. C'est une couleur qui te sied à merveille. Alors là, est-ce qu'on a quand même la carte de cet endroit? Oui. Bon, ça sert à rien, mais on va quand même là, histoire de savoir, de voir. Je suis tenté de faire complètement ce qui nous, ce que, ce, je sais pas, le feeling. Je me dis que c'est par là. Vous avez entendu là? Eh bah tiens, on a échappé au monstre. Non, moi sur le retour comme là, c'est du magenta primaire. Non, c'est un espèce de. On appelle ça cette couleur. C'est pas vert, c'est. Oh merde! Ah, mais on peut monter! Oh, mais très bien! Eh ben, vous voyez, en ayant fait une erreur, sinon j'aurais fait toujours le tour, comme un con. On aurait perdu des heures et des heures. Non, mais justement, c'est exactement la couleur que les daltoniens n'arrivent pas à voir. Ils la voient comme le rouge. Attendez, j'ai envie d'être sûr qu'on ait tout bien fait. Voilà, tout est tout. Non, il y a une porte en face quand même. Hein. Mais je crois que la première fois que j'ai fait Silent Hill, je me suis emmerdé à faire à chaque fois à courir. Hein. On va aller là avant. Hein. On va essayer d'être malin. Bon, il n'y a rien. Hein. Là, depuis que j'ai mis la maniabilité en 2D. En fait, c'est une maniabilité qui est pas du tout comme Resident Evil. C'est vraiment le personnage, on le manie comme on veut, quoi. J'ai une boisson revigorante. Bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. Enfin, puis beaucoup plus agréable. Danger, keep out. Ça, William, il le comprend très bien. C'était probablement collé sur cette porte. On peut encore voir la marque. Une petite radio. Est-ce un écran de surveillance? Je ne vois rien. Il doit être cassé. Ah, quand tu es tombé dans l'égout, j'ai pensé au métro et je me suis dit qu'il y avait une sorte de péniche métro qui allait te défoncer. Les Daltoniens ont du mal avec le vert et le rouge. C'est comme la rame. M'aurait fait rire, mais ça aurait été complètement foufou. Ah, t'es foufou là quand même. Bon, danger, keep out. Quand c'est comme ça, je sors mon F5. Ah, il veut pas? Alors je sors mon. Je sais plus où je l'ai mappé la save. Ah bah merde. Normalement c'est là. J'ai mis tab machin. Il veut pas. Bon. On va se faire le boss comme ça, hein. Parce que là ça va être le boss. Oula oula oula. Non mais moi j'ai pas envie de mourir ici, hein. Regardez ça, il y a du sang partout. Faut qu'on fasse quelque chose avant. Là, une sortie. Non, c'est pas une sortie. Enfin, c'est une prise. Non, 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 non. On va mourir. Je le sens. Comment j'ai mappé ça? Je sais plus. Bah, le F5 ne fonctionne plus. Quoi ce délire? On peut plus faire les sauvegardes. On s'est mis un handicap en plus. Là, il y a un petit journal, on peut le lire. Il y a quelque chose écrit sur le carnet. Il y a un monstre dans l'eau. L'enfoiré a liquidé deux de mes potes. J'aurais jamais dû douter du vieux conte sur les alligators dans les égouts. C'était véridique. Personne ne me croit. Ils avaient bu et ils ont glissé. Pas aussi con. Même le mot monstre ne convient pas. Il y a autre chose là-dedans. Un bar. Je descends lui faire une tête au carré. Si vous trouvez cette note, c'est mon testament. La vengeance est futile. Vous dites-vous sans doute en lisant ceci. Mais José et Jem étaient mes meilleurs potes. Comment s'y prendre? Le pistolet ne vaut rien dans l'eau. Quant à mon surin, si j'avais une grenade. Bon. De toute façon, on a fait une save juste ici, donc. Non, mais là, je. Là, on va mourir, hein, si on y va.
Il y avait un Sigil sur Hult. Oui, voilà, bon, j'ai fait la sauvegarde. Peut-être que tu ne peux pas faire de sauvegarde rapide juste après une sauvegarde officielle. Non, 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 c'est mon clavier qui merde. Parce que normalement, j'ai mis ici qu'il y a le. J'ai mis. Attends, il y a un papier par terre là. Des papiers jonchent le sol. Ils ne semblent pas me concerner. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit après? Mais ils sont datés d'aujourd'hui, étrange. Ah, donc il y a encore des gens qui travaillent là? Donc non, 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 faut qu'on trouve quelque chose. Au moins on le sait maintenant. Donc là, on ressort directement sur la droite, s'il veut bien. Ah, il m'a mis un coup, hein. Non, j'ai pas d'explosif, mais en fait, je me souviens de ce qu'il faut faire. Bon, je vais pas vous le dire. J'ai souvenance. J'ai souvenance de ce qu'il faut faire pour le monstre. Dans Resident Evil 4, ça aurait été des explosifs. Là, ça va être plus. Ça va pas être plus malin. Hein. Vous avez vu ça? Mon Dieu. J'aime pas lui. Hein. On est où là? D'accord. Il nous montre les escaliers comme ça. Maintenant, c'est nouveau. Le plan change. Hein. Normalement, on passe à autre chose, mais là. Et voilà. Sacré tas de détritus. Mais d'où ça vient? Ça doit être tous les. Ça doit être. 1, 2, 3. Ça doit être tous les déchets qui s'accumulent dans les égouts. Oui, bah. Mais oui, mais là, il y a un truc à prendre, là. Il y a une radio, là. Je prends les ampoules. Il y a un déodorant à l'intérieur, mais ça ne servirait sûrement à rien. Okay. Ah non, il y a un sèche-cheveux. Un séchoir. Vous avez vu, hein? Séchoir. Je dis un sèche-cheveux, il dit un séchoir. J'ai une machine à laver, il dit un lave-linge. J'ai un porte-manteau, il dit un... Qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais plus. À chaque fois, hein. Il veut me faire passer pour un con. Bon, là, c'est facile. Oui, voilà, tu dis clenche, il dit poignée. Non, mais c'est... Il a pris le... C'est le champ lexical de tous les vieux mots qu'on n'utilise plus. Après un dictionnaire du champ lexical de... Pour être sûr de bien nous emmerder. Un lave-linge. Je sais pas, je dis jamais un lave-linge, de la machine à laver. Oula, oula, oula. Donc c'était sur la droite. C'était là, hein. Je vérifie parce que je... Oui, c'est là. C'est bon, c'est bon. C'est une affaire qui roule, ça. On va pluguer le séchoir. Regardez bien ça. Pas malin ça? T'es pas tiré par les cheveux? Genre un petit séchoir comme ça dans autant d'eau, ça tue la bête? Je m'en souviens parce que je regarde les speedruns. Mais bon. Quelque part, ça me réconforte. Hein. Ça me réconforte sur les endroits où on a bloqué. Hein. Notamment l'eau de Javel avec le détergent dans la petite poubelle qui fait fuir les papillons. Je m'en suis voulu après, mais bon. C'était pas non plus. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette soupape? Probablement rien d'important. Je n'y touche pas pour l'instant. Bon, ok. On aura peut-être besoin plus tard. Le jeu est magnifique, hein. Vous êtes gâtés. Là, de temps en temps, je regarde un retour. En plus, vous l'avez en. Bon, moi c'est joli aussi. Hein. Ça serait mentir que de dire le contraire. Mais là, vous l'avez vraiment d'une qualité, là. Là, je me suis embêté. On a tout mis au maximum. Hein. J'ai mis le plus net possible. J'ai mis les patchs, j'ai tout mis là. Il est beau comme s'il avait été remaké. Il est quasiment plus beau que le NN's édition de. Il est quasiment plus beau que le NN's édition qu'on vient de faire de Silent Hill 2.
Alors, qu'est-ce que tu me dis, Nyctaras? Normalement, Pyramid Head, tu peux le tuer avec du coca et une pastille et du mentos. On verra ça. On verra ça. Ne me spoil pas. Ne me spoil pas, s'il te plaît. Attends, attendez, là, on revient où on était. Ouais. Je vais traverser. Maintenant que je sais qu'on peut faire ça. Allez, 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 allez. Non, 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 tu me fais pas du tout de mal. Je les aime pas, eux, je sais pas pourquoi. Ils sont très bizarres. Très... Non, mais non! Ouais, c'est bon. Pas de problème. J'ai hâte de sortir toute la séquence métro et. Là, j'aime bien. Là, c'est joli. Bon, peut-être parce qu'il y a de la lumière. Non, oui, l'idée du séchoir dans autant de masses d'eau, bon, évidemment, c'est pas possible. Enfin, tu électrocutes personne. Je c'est même curieux qu'il se soit pas dit, quoi. C'est une idée d'un stagiaire, et puis les mecs ont validé, mais ça va pas du tout. C'est pas, à la limite, quelque chose de bien plus puissant. Bon, pourquoi pas? Séchoir. Puis même un séchoir, enfin c'est idiot, enfin bref. J'adore le jeu, donc on pardonne, évidemment qu'on pardonne. Mais bon, ça surprend quoi. Oui, les monstres sont plus durs que les boss. Mais le boss là, comme j'ai speedrunné pour revenir là où on en était dans la version russe. Le boss finalement a plusieurs patterns, hein. Je l'ai complètement mindfucké. Hein. Il ressortait toujours du même endroit. Là, l'espèce de gros lézard, le gros ver. En fait, il peut sortir de 6 endroits différents. Je sais pas, j'ai dû tourner comme il fallait. Il est toujours sorti du même trou la première fois. Alors que là, tout à l'heure, quand j'essayais de le retuer, bon, bah, je l'ai tué évidemment. Il est très 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 simple. Mais il sortait par 6 endroits différents. Ah, peut-être pas 6, mais plusieurs. Plusieurs différents. Surpris. Ah. Je crois qu'on t'avait pas vu, toi, la petite porte, là. Le mystère s'épaissit. Hein. Elle qui voulait rentrer à la maison. Hein. On va prendre l'ascenseur. L'électricité est coupée, l'ascenseur ne va pas marcher. Bon, il n'y a rien du tout. Très bon film, ça, hein, le premier Très Mort. Il y en a eu trois, hein. C'est très sympathique. Après, ça devient. Bon, c'est comédie, hein. Mais le premier Très Mort, c'est très sympathique. Hein. J'ai dû le voir deux, trois fois. Hein. Je l'ai en DVD. Bon, allez, on tente le deuxième étage. Verrou est cassé. Mais ça m'arrange. Moins de possibilités. Warning. Le plafond du troisième s'est effondré. Ne pas entrer pour des raisons de sécurité. La porte est coincée, impossible de l'ouvrir. Donc on va passer au quatrième pour descendre au troisième, j'imagine. J'ai aucun souvenir du jeu, hein, si ce n'est le séchoir. Une boîte à outils, mais elle ne contient rien d'utile. Le plancher du quatrième s'est effondré. Ah bah, tout s'est effondré alors. Ne pas entrer pour des raisons de sécurité. La porte est coincée, impossible de l'ouvrir. Donc on va passer du cinquième. Au deuxième, en un saut. C'est quand même bien plus action que le 2. Peu de dialogue, pas de cinématique. Oui. Oui, c'est. Les joueurs ont été plus marqués d'une façon générale par le 2 parce qu'il y a une histoire d'amour. Enfin, une histoire d'amour. C'est un thriller psychologique, on va dire. Des toilettes. Mais le 3 est. Mais il est plus poisseux et plus action, oui. Mais il est plus. Moi, je le trouve plus joli. Mais c'est pas la même ambiance, voilà. Il se complète. Faut pas essayer de faire une hiérarchie. Faut pas hiérarchiser, je crois. Je croyais que cet immeuble était en construction, mais il y a visiblement été. Mais il a visiblement été utilisé. Ah, le toilette. Ah, oui. Un vieux lavabo ordinaire, rien de spécial. Le verrou cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais par contre, moi j'aime bien cette ambiance poisseuse. Ça me plaît quoi. On a toujours la carte ici? Non, voilà, on n'a pas la carte du secteur.
l'ai peut-être loupé ou... Non, peut-être pas. Mais dis donc, il y aurait pas des clochebottes par ici? Hein, il y a des gens qui vivent là, hein. Il y a des clochards, hein. Il y a du clochebotte là, hein. Regardez ça. Ah, ça picole, hein. Ça a pas oublié de picoler, hein. Allez, il doit y avoir une sacrée ambiance le soir ici. Petit matelas. Un matelas pourri. Voulez-vous le jeter dans le trou? Voulez-vous le jeter dans le trou? Oui. Le 4 a trop de backtracking pour moi. Je l'aime bien. Hein. Hop. On est tombé sur le matelas. Attends, on s'est fait de 3 étages là? Là, normalement, vraisemblablement, on est retombé aux deux. Hein. Elle est drôlement sportive, hein, cette Heather. Drôlement sportive. Ah, la petite musique. J'aime bien. Ça me plaît. Bon, pour l'instant, c'est fluide. Hein. On a réussi à faire quelque chose d'assez fluide. Là, c'est la sortie. Bon, c'est cassé, très bien. Le 4 n'est pas plus expérimental pour te répondre, mais je le trouve... Oui, il est quand même beaucoup plus expérimental dans l'idée où on est enfermé dans un appartement. Oula. Attendez. J'aimerais bien sauvegarder à un moment donné. Comment je... le F5 marche toujours pas, hein. Je vérifie vite fait. Non, il veut plus. Pourquoi il veut plus? Si je vais dans les options, ils me le disent pourquoi il veut plus? Normalement, j'ai un bouton pour... Voilà, pour la pause, c'est numpad 1. On peut changer, hein, ceci dit. On va mettre espace. Il veut pas. Il veut pas. C'est curieux, hein. Bon, on arrête. Non, ben on joue normalement. On joue comme. C'est The Room, c'est ça? Oui, c'est ça. Le type coincé dans son appart, comme dans la nouvelle de Stephen King. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand on a joué à Visage, ils ont repris complètement le. L'idée de cette porte cadenassée. Ah. La porte cadenassée, ça faisait complètement tout de suite référence à Silent Hill 4. Mais en cela, il est expérimental, complètement. Ouais. Mais non, j'aime beaucoup d'ailleurs tout ce passage avec l'appartement. La table est couverte de papier, mais je ne vois aucune info intéressante. Est-ce que ça m'a fait penser à Hellraiser? Non. Non. Enfin, les chaînes, oui, ça me fait penser à Hellraiser, mais pas à la porte cadenassée. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais... Non. S'il y avait eu des chaînes qui pendouillent, oui. Mais là... Non, ça m'a fait penser à Silent Hill 4. Qu'est-ce qui est marqué là? Tu vois, maintenant, on arrive à lire ce qui est marqué sur le paillasson. Stair front... J'arrive pas à lire. Possible? Store from... Je sais pas. On a bien fait de la télécharger, la version anglaise. Hein. Ah. Mais on a toujours pas la carte. Hein. Store front... Voilà. Possible. Oh putain. Enfoiré! On avait dit pas jamais ça. Il m'attaquait par derrière. En même temps, si j'y vais pas, j'ai peur de pas me souvenir. Maintenant, on arrive à lire ce qu'il y a sur les portes. Storage room. Non, c'est quand même mieux. Hein. Storage room 3. Ah. Là, on va peut-être avoir une carte quand même. Le front populaire du store. C'est store front posables. Tu sais ce que ça veut dire quoi, posables? Mon anglais pêche un peu en vocabulaire. Hein. J'ai des cartouches de fusil, ok.
Bon, et on pourrait se servir un peu des armes, hein. Notamment le flingue, hein. Parce que là. On a du shotgun, on a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? C'est le seul mannequin avec une tête. Ceux qui n'ont pas de tête sont vraiment bizarres. C'est comme s'ils pouvaient quand même me voir. Voici un mannequin sans tête ni jambes. Je sais que ce n'est qu'un objet, mais j'ai quand même un peu peur. C'est un mannequin sans tête ni jambes. Un peu peur. C'est un corps de mannequin. Je sais que c'est du plastique, mais c'est quand même glauque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va faire? Voici un mannequin sans tête ni jambes. Oui, bah tu compris. Hé! Vous avez entendu? Qui va là? Si on avait la carte, il nous dirait s'il y avait quelque chose à faire ici. Groupuscule extrémiste. Allez, toi le chien. Bon, non. Ils sont deux. Merde, 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 merde. Non, c'est bon, on a du bol, on a du bol. Monica Dance Studio. Bon, faut quand même qu'on trouve cette carte. Oula, 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 très mauvaise idée ici. On a le shotgun, mais. Ah, voilà. Il y a bien une carte par ici. Ah, Hilltop Center. Storefront Posables, Monica Dance Studio, Pringle and Henslow Firm. Parfait. J'ai le plan du corps administratif. Et on peut faire une save. Pas beau ça? Oui, moi aussi j'ai entendu une femme chuter. Alors, mais des fois on entend. Hier on a entendu une planche qui se cassait. Bon, je pense que. Et aussi un chien qui grognait. Je pense que de temps en temps il y a des bruits préenregistrés. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Le tiroir c'est très largement ouvert. Il doit être rouillé. Je ne peux pas l'ouvrir davantage. Eh ben, tu utilises ton courage, tu prends ton courage à deux mains, puis tu l'ouvres avec la masse d'armes. Non, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on aurait Il dit que c'est rouillé, donc il va falloir. Non, on a rien. On n'a rien pour le moment. Bon, par contre, normalement, ça apparaît sur le. Voilà, drawer. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va être obligé d'aller à Monica Dance Studio. Hein. On va faire un carnage. Hein. On va faire un carton. Hein. On va prendre le fusil à pompe. En plus, je sais plus combien j'ai de balles, mais. Regardez ça. Les balles, combien j'en ai là de fusil à pompe? J'en ai 29. Et 145 de flingue. Ça devrait aller, hein. Ah mais il me l'a pas pris. Il l'a pas pris en compte. Il faut mettre en portée. Allez, on y retourne. On s'était pas bien compris là. Putain, mais j'arrive à trouver le moyen de me faire toucher. Hein. Non, mais les chiens sont plus difficiles que les boss. Attends, 4 balles de fusée à pompe. J'ai réussi. Il va me tuer, hein. Allez. On va se prendre une petite ampoule. Non, ça va. Voilà. On n'a peut-être pas besoin de le tuer. Je regarde déjà ce qu'il y a ici. Mais elle recharge. Il n'y a rien du tout ici. Hein? Là, je suis en train de. Il n'y a rien. Bon, et toi, tu m'emmerdes. Voilà. Là, on l'a bien dégagé. Ok, ça marche, Nick Taras. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse.
Merci d'être passé. Ah, le cri n'était pas important. Merci à toi, je te dis à très bientôt. Si tu changes d'avis, n'hésite pas à revenir. Ils reviennent tous. Non, allez, bonne nuit. Donc ça ne servira à rien d'aller au Monica Studio. On va retourner ici. Là, c'est le Prindle and Enos Law Firm. Ah, le verrou cassé. Ça nous fait une belle jambe. Bon, on va continuer. On va aller tout droit. On pourra pas les éviter sans 7 ans. Hein. Là, on a tout fait. Faut qu'on retourne sur nos pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est bien ça, hein. Qu'est-ce qu'il disait, là? La porte de l'ascenseur s'ouvre un peu. C'est trop étroit pour être utile. C'est trop étroit pour être utile, mais ça ne veut rien dire. Ok. Donc là, on est ressorti. C'est un escalier, là. C'est pour remonter. On peut aller au cinquième, là, comme ça. Mais jusqu'où ça monte? Oh, cette diablerie. Bon, le verrou est cassé, ok. Non, non, c'est pour n'avoir le cœur net. Là, le cinquième, on peut rien faire. Si, on peut y aller. Ok. Bon, on va trouver ce qui nous... Des produits d'entretien, rien qui puisse me servir. Faut qu'on trouve un truc pour l'ascenseur et pour le tiroir. On va être minutieux. J'ai appuyé, mais l'ascenseur ne vient pas. Est-il en panne? Bon, les toilettes en général, on ne peut jamais y aller. On ne peut jamais faire pipi dans ce jeu. Là, ça va être ouvert, je le sais. On va checker par ici. Bon, c'est quand même mieux de l'avoir en anglais, le jeu. Là. On arrive à lire sur les portes. Oula. Merde. Tu vas qu'elle va recharger au moment où je vais. Et voilà, j'en étais sûr. Mais pourquoi elle se relève pas? Il est pas mort. Normalement c'est bon. Il devait protéger quelque chose de drôlement important. Allez, relève-toi, j'ai envie de jouer avec toi encore. Petit coquin. Bon, c'est fini. Qu'est-ce qu'il protégeait? Oh, ça se trouve, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On a fait ça pour rien. Il n'y avait rien du tout dans cette pièce. Je vais reprendre le flingue. Hein. On est en train d'utiliser nos munitions pour rien. On va plutôt prendre le... On va prendre le pistolet, hein, quand on a besoin. Je veux pas les tuer. On continue. Là, on peut rentrer. Les bureaux, très bien. C'est vrai, comme disait Nictaras, il y a beaucoup moins de cinématiques. Ah, on a trouvé quelque chose. Bon, bah ça, le cric, hein, c'est pour l'ascenseur.
Non, je pense que là, ça me paraît clair, hein. On a rien d'autre à prendre. Le cric, ça va être pour l'ascenseur, donc du coup, on ressort. J'ai quand même envie de checker ce qu'il y a en face. Alors attendez, on est là. Je peux quand même aller checker à droite. De toute façon, je l'avais déjà fait. Merde la caméra. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok. On tourne à gauche. On est obligé de checker à chaque fois. C'est vraiment. C'est un jeu où. On est obligé. Il y a un carnet d'inscription sur le bureau d'accueil. Je ne m'en occupe pas. Le titre est Répresseur de souvenirs. Quel titre tordu. Je comprends rien du tout. Il manque un tableau. On dirait qu'il y avait un tableau accroché là. Il ne reste plus que la légende. Flamme purificatrice. Flamme, hein? Eh bien, je ne sais pas quel genre de tableau c'était, mais je n'aime pas trop le feu. C'est pas rassurant. Est-ce que ça va être un objet, un truc à faire? Pas l'impression. Et là, qu'est-ce qui... Bon, on vient de le lire. Répresseur de souvenirs. Oui, c'est un vrai petit labyrinthe. On sait bien, au moins on aura trouvé le tournevis. Le tournevis, ça va être pour le tiroir. J'imagine. Ah, qu'est-ce qu'il y a là, ici? Attendez, la caméra, elle se met pas comme ça juste pour rien. C'est curieux. Et là, j'ai un katana. Ah bah peut-être que le katana, ça peut être plus sympathique. Ça veut rien dire, hein. Tout à l'heure on a eu la masse d'armes et... Katana, c'est un katana court, environ 60 cm. Puissant et facile à manier. Ah, très bien. Ah bah voilà. Voilà, là les chiens. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec vous. Bon, on a le tournevis. On a le cric. Enfin, c'est bon, on a tout là. On a tout pour passer une bonne soirée. Je sais plus par où je suis arrivé. Je crois que c'était là. Hein. C'était ici. J'ai quand même envie de checker cette putain de porte à gauche. Hein. Plus fort que moi. Je supporte pas qu'il y ait des... Allez, viens là. Alors toi, mon gars, maintenant qu'on a le katana. On peut faire ça aussi. Ah, c'est drôlement efficace. Drôlement efficace là. Bon voilà, on est quand même beaucoup plus à l'aise. On va pouvoir checker convenablement. Alors voilà, c'était ça que j'ai pas fait. Et en plus, on peut rentrer. Ah oui. Mon avis, c'est fermé. Ça un petit peu pour rien.
va se barrer. Très gentiment. On va à droite et après c'est tout droit. On a tout fait là. À droite et après c'est tout droit. Voilà. J'ai réussi à me planter. Ah non, c'est pas là où on est arrivé. Où est l'escalier? Et je vois qu'il y a encore une porte que j'ai pas faite. On est bien arrivé par un petit escalier. Je sais plus. Allez. On est arrivé par... Par où on est arrivé? Ah, peut-être la pièce là. Attendez. On est dans la pièce ou là? Oh putain. Je me rends pas compte. Avec la carte, on se rend pas compte. Peut-être. Toujours là. Are you still here, William? On arrivait par les bureaux, hein. De l'huile, du papier alu, rien qui ne puisse me servir. On arrivait par la fenêtre? Je sais plus. Je sais plus par où on arrivait. On a pris les escaliers, mais ils sont où ces putains d'escaliers? J'ai plus souvenir. En plus, ils sont pas indiqués sur la carte, c'est ça qui me... C'est ça qui me perturbe. Voilà, exit. Alors c'était quoi sur la carte? Ah ouais, ok, bon, c'est même pas marqué. Merci. Merci bien. Donc normalement là, on va pouvoir s'occuper de l'ascenseur. Allez, allez Romain là. Fais ça bien. Allez, le cric. Affaire qui roule ça. Une excellente chose de fait. Une excellente chose de fait. Le cric et après le tiroir. La porte du bas a l'air ouverte aussi. J'arriverai jamais en bas comme ça. Bon, c'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le tiroir. Première à gauche. C'est ici. C'est imminent. C'est imminent. On va triompher. Eh ben cela. Hein. Tout simplement. En plus, on va pouvoir refaire une save. C'est nickel. Allez. Hop. On utilise le tournevis. Voilà, c'est ça. Ça déjà, ça semble plus logique quand même. Hein. Et voilà, on a une corde. Nickel. Bon bah là. La progression est quand même nettement plus fluide qu'hier. J'en suis ravi. Allez, on retourne à l'ascenseur. Bon, alors, il y a peut-être quelques salles que j'aurais omis de regarder où il y aurait... Bon, déjà, on a trouvé le katana, ce qui est pas mal. Où il y aurait à manger. Enfin, je veux dire, des boissons revigorantes.
Ah, il va me redire la même chose, faut que j'utilise la corde. Les vieux jeux. Mais c'est sympa. Bon, on utilise la corde. Faut tout faire, quoi. J'ai utilisé la corde. Voulez-vous vous servir de la corde pour descendre? Mais oui. Évidemment. Évidemment. J'ai dit oui. Ah oui, elle est déjà descendue. Ok. Donc du coup là, on se retrouve au deuxième. Je check tout vite fait hein, avant de me barrer. Les portes où je sais que ça va être fermé normalement. Là, on a ça. Cassé. Là, on peut rentrer. Ah, le jeu est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment un truc. Elle regarde quelque chose. Il me semble qu'il n'y a rien d'important par ici. Si, elle regarde quand même quelque chose là. Regarde la porte en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce le bureau d'accueil? Il y a des catalogues éparpillés partout. Excusez-moi, je regardais le son. Bon, c'est tout, hein. Il n'y a pas de. C'est moi, il y a des dalmatiens là. Une figurine en forme de chien, en juré qu'il pourrait mordre. Verrou est cassé. Là, la petite pendule, on peut rien faire. Est-ce le bureau d'accueil? Des abat-jour et des vases, je n'ai pas besoin de ça. Il y a d'autres articles sous les couvertures, pas le temps de m'en occuper. Sens que le son maintenant est vraiment pas assez fort. Non, c'est bon. C'est juste que là, elle marche sur des tapis ou je sais pas. Non, même pas. C'est juste un étalage, ça ne peut pas vraiment être utilisé. Une baignoire d'exposition, il y a une tache rouge au fond. Tout regarder quand même, un vase fêlé, ça aussi c'est à vendre. Une vieille planche de skateboard merdique? Non, c'est un truc pour un présentoir à papier toilette. Des distributeurs de serviettes en papier, pardon. Rien à voir ici. Ah, ça va. On peut se tromper. On s'est ouvert là? Voilà, maintenant c'est déverrouillé, ok. On continue, hein. Continue sur notre lancée. Ah oui, y a pas à dire, le jeu là en HD, c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Elle va se faire couler un bain? Elle va se faire couler un bain là, le Heather? Knew it. Qu'est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu savais que tu nous as pas dit? Ah, les cinématiques par contre sont restées en format d'origine, hein. Toutes mes confuses. Certaines. Est en train d'être envahi un monde vide des hallucinations cauchemardesques. Par un monde. Ok, bon. Sur le bon chemin. Ça s'annonce mal pour nous, mais on est sur le bon chemin. J'ai plus aucune idée du jeu. Hein. Not again. Did she do this too? Quand elle dit quand elle dit qu'elle a fait ça aussi, là, elle parle de Claudia? Il y a des plans quand même qui sont vraiment très beaux, hein. Elle regarde quelque chose. C'est une. Mais c'est quoi ça?
Alors forcément sur PS2 on le voyait pas aussi bien. Hein. C'est un espèce de monstre qui a un ciseau dans la main et qui tient un bébé. Forcément en HD on le voit beaucoup mieux. Hein. Comme celui-ci par exemple. J'ai des balles de pistolet. Très bien. Pour l'instant on est au katana. Hein. On a toujours la carte ? Oui. Ils sont véloces, hein. Putain, mais c'est faux. Bon, écoutez, j'en tue un et puis... Allez, te barre pas, toi, avec ton falzar, là. Il est rigolo, lui, hein, avec son espèce de petit pantalon merdique. Il va revenir ? Oui, il va revenir. Merde, mais qu'est-ce que je suis idiot. C'est pas possible d'être idiot comme ça. Allez. Je me souvenais plus du tout de ce type de monstre. Là, il y a une plante qui agonise. Je sais pas ce que c'est, mais cette plante en a plus pour longtemps. Voilà, pauvre plante. On a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose ici. Voilà. Find the Holy One. Killer. Trouve l'élu. La tuer. Trouve l'élu. Tu l'as ? Ah, c'est nous. On est l'élu. C'est moi. Mais a bien pu prendre cette photo. Qui a bien pu prendre cette photo ? Ça fait froid dans le dos. Petite save. Voulez-vous écraser? Évidemment, je veux tout écraser. Sauvegarde aboutie. Ah, petite cinématique. Qui conclura cette VOD? Heather, that's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. Bye-bye, William. Thank you. What do you say? But how do I find out with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. Well, I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. Ah bah c'est notre mère, bah bravo. My mother? What do you mean? Ah bah bravo. You don't remember? So Harry didn't tell you anything. Ah, Harry. Du premier Silent Hill. I guess he hid the truth to keep you on his side, eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. Oui, casse-lui la gueule. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? Have a nice time too, William. See you soon. Thanks to you. I know about your past too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? It gets to me, all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! Oui, mais on s'en fout.
How do you figure? Something wrong with you too. Alors je sais pas vous, mais moi je l'aime pas trop lui. Pour pas être vulgaire. Non. J'ai pas confiance. Alors voilà, on ramasse plein de boissons revigorantes, trousses de soins. Là, ça c'est Noël là. J'en ai fini avec ces étagères. Très bien. On regarde la petite carte. On va retourner dans son bureau. Ce mec louche est dans cette pièce. Je ne vais pas y entrer. Merde, on peut pas sauvegarder. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Il y a un livre de chimie de collégien. Verser de l'eau oxygénée diluée sur du bioxyde de manganèse pour produire de l'oxygène. Seul l'oxygène n'est pas combustible, mais il favorise la combustion des solides. Bon. C'est déverrouillé. Bon, maintenant, je suis prêt à tout, là. Il y a une petite cage, là. Qu'est-ce qu'il regarde? Ah, ben, on est retourné sur la pièce. Enfin, on a fait le tour. Elle est où, notre petite salle de sauvegarde? Elle est juste derrière. On vient de la louper. Elle était juste là. Elle nous attendait. Ah, mais voilà. Bon, bah, très bien. Mais écoutez... On va se laisser ici pour cette partie 3 de la New Edition que j'ai finalement trouvée en anglais et qui est bien plus agréable et que j'ai réussi à mettre dans une meilleure résolution. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis, je vais vous laisser sur mon excellent générique. Hein. Beaucoup me l'envient, mais bon, il n'est pas libre de droit. Hein. C'est le mien, hein. C'est mon générique. Je ne le prêterai à personne. Je vous dis à demain pour 21h. 21h, 9h, c'est très bien. Très très bien. On fera cette petite partie 4 et on essaiera d'avancer encore plus, essayer de démêler ce mystère. Je vous embrasse très fort et merci à tous d'être passés. See you soon pour mes amis anglais. Allez, à très bientôt. And that's what makes us who we are.